Bonjour à tous, nous sommes Juliette et Mathilde, des élèves du collège Saint-Quirin de Huy en Belgique. Nous avons participé, ainsi que 14 autres jeunes de notre école, à un projet solidaire au Rwanda durant nos congés de carnaval. Nous allons vous parler de la solidarité qu'il existe entre les Belges et les Rwandais, c'est-à-dire entre le Nord et le Sud. Lorsque nous sommes allés sur les chantiers, nous avons longuement échangé avec les habitants. Malgré les kilomètres qui nous séparent, nous nous sommes intéressés à eux et ils ont répondu à toutes nos questions. Cependant, la barrière de la langue ne nous a pas permis d'échanger comme nous le voulions avec les bénéficiaires. Pendant nos temps libres, nous partions à la rencontre de nombreuses personnes. Nous voulions voir comment ils vivaient. Nous sommes également allés dans une école secondaire au Rwanda. La langue n'était plus un problème car nous parlions tous un peu anglais et avec un peu d'effort, nous y sommes arrivés. Nous avons expliqué aux étudiants comment nous vivons et inversement. Ils avaient des a priori sur les Blancs. Ils pensaient que nous étions riches, que nous n'avions pas de problème et que nous ne pensions qu'à nous. Nous leur avons prouvé le contraire. En ce qui nous concerne, avant de partir, nous pensions que le Rwanda était un pays avec moins de connaissances que chez nous. Nous avons été surpris car c'est loin d'être le cas. Les techniciens d'AproJumap étaient très compétents. Nous avons travaillé par groupe mixte, belge et rwandais, sur la solidarité. Nous avons dû trouver une définition ensemble à ce mot. Et c'est en étant solidaires que nous avons défini de la meilleure manière ce mot. Au terme de ce voyage, nous avons appris que nous nous intéressions les uns les autres. C'est la preuve d'une solidarité Nord-Sud.